toi, ton bain, c'est un bain podium, Mathieu? C'est quoi un bain podium? Un bain podium, c'est un bain que tu peux baiser dedans avec au moins deux personnes à la fois. Plus toi ou deux personnes à la fois, toi inclus? Plus toi. OK, non, j'ai pas un bain podium selon ta description. Mais, non, mais un bain podium, c'est ceux qui ont de la céramique sur le côté. J'ai aucune comme... idée, c'est un c'est Chris de gros bain. OK. C'est ça. Ben moi, j'ai un... Mais anciennement, il y avait même un petit bain pour s'asseoir, puis ils sont faits en forme de triangle, on appelle ça un podium. Mais je pense qu'il y a différentes sortes de podiums. Je sais pas, mais non, j'ai pas un bain trois places. J'ai pas un jacuzzi. T'as pas un jacuzzi? Mais en fait, on jase de bain comme la mécanique du bain ou l'art du bain. Tous les sujets sont... Pas l'expression comme « hop bain ». Hop bain, donc, bain topide, l'étude. Mais c'est toi qui voulais amener ce sujet-là, puis j'ai fait « ish, il y a du monde qui va nous écouter ». Ben écoute, c'est clair le bain. Le bain. mais tu étais parti sur la forme du bain. Niaiseux, mais t'as-tu eu plusieurs formes de bain, toi, pour laver tes enfants? Non. Tu sais, quand nous, on a un bain assez profond. C'est cave, là, mais quand t'as un bébé, c'est un peu de la merde. Ben oui. Parce que nous, il y a un petit rebord en céramique. Puis toi, t'es plus loin. Oui, puis là, tu forces loin. Des dorsaux. Oui, puis là, t'es comme tout croche, puis t'essayes de laver ton bébé. C'est un peu chiant. Ouais. C'est pas le surtout au début, quand il tient pas sa tête, là, puis tu peux un petit peu le noyer. Fait que là, tu t'accotes dessus, puis tu sens plus la circulation, circulation sanguine. Ouais. Fait que là, tu deviens tout engourdi. Fait que bref, la shape du bain, je pense, c'est important. Mais ça amène... nous, à la première, on avait aussi un bain de bébé, tu sais, qu'on pouvait laver sur le comptoir. Puis deuxième, puis troisième, ils n'ont pas le droit à ça. Non, toi. Tu ne lavais pas dans le lavabo. Moi, je lavais un peu dans le lavabo. Exact. Lavais dans le lavabo. Ah oui, c'est de baisse. Un petit bain de bébé un peu fancy, là, qui est comme une chaise longue avec un contenant que tu peux comme. Ouais, exactement. Ouais, mais il finit toujours par dropper un peu, puis là, toi, t'es sur ton téléphone, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'es en train de s'enayer, puis tu fais. Non, c'est pas vrai. Il est perdu deux de même. Il est perdu deux. On ne le dira pas. Mais OK, là, on était sur la forme, mais mettons l'heure du bain, là. Tu sais, first, vous le donnez-vous à tous les jours, comment ça marche le bain chez vous? Hey, tous les jours, t'es-tu malade? Nous, c'est aux deux jours. Pour les grandes, le bébé, c'est comme peut-être plus aux trois. Tu sais, elle fait de l'eczéma, là. Fait que si on la lave trop, c'est un peu intense. C'est surtout ça. L'hiver, là, la pochesse. Fait que vu qu'elle a la pochesse. Mais on a déjà été à chaque jour parce que, tu sais, à un moment donné, ça rentre dans la routine. Puis on dirait que c'est enfants, ça les calme. Puis tout ça. Puis il pue aussi. Mais hey, savais-tu, parenthèse, mais sais-tu comment tu fais pour savoir que t'as une grosse famille? Non. Outre le fait que. T'as besoin d'une tank eau chaude plus grande? Non, c'est que ça sent toujours la marde chez vous. Mais non, mais ça. Le fait est qu'il pète. Puis il se relaie. Je te jure, Matt. À n'importe quelle heure du soir, si tu rentres chez vous, ça sent la merde. Chez nous, ça sent la merde. Mais qu'est-ce c'est fascinant. Mais qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Je sais pas. Est-ce que tu as une alimentation à base de légumineuses? Bon, là, regardez qui recommence. Mais pourquoi qui... Ben oui, là, on a une alimentation à base de légumineuses, nous, entre nous, autres. Bêtes, mais pas je sais pas pourquoi. Lâche le chou. Numéro 2 et numéro 3, particulièrement, puis on dirait qu'il se relaie. Puis numéro 2, c'est celui qui, j'ouvre les guillemets, te souviens-tu, c'est celui qui a dit « Sais-tu pourquoi j'aime la vie? » Parce que je peux. Un de ses frères, c'est parce que je peux péter n'importe quand. Ouais. Fait que c'est ça, ça pue tout le temps. Mais des fois, c'est pas un peu, des fois, tu le goûtes sur ta langue, là. C'est comme « Oh! » Arrête de licher le cul. Non, j'ai même pas besoin. Des particules dans l'air. Juste parenthèse, je sais pas si j'ai déjà dit sur un show, je pense que oui. Mon oncle, quand j'étais petit, il me disait « Tasse ta langue que je pète ». Puis moi, ça m'a pris des années à comprendre ce que ça veut dire. Quand il était un peu chaud d'ail, il me disait ça. Oh, puis là, j'ai compris ça comme plusieurs années plus tard. Je dis « Christ, un call pédophile! » Tu sais, j'avais 8 ans. Puis toi, tu riais, t'encourageais. Ben, ça parlait de pète. T'sais, je trouvais ça drôle, mais je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Ouais. C'est comme plusieurs calls de ma jeunesse que je comprenais pas, comme les poudrées ou tasse ta langue que je pète. Référez-vous aux autres épisodes. Toi, les poudrées, c'était quoi déjà? Les poudrées, c'était comme une fille de party, mais j'avais pas compris qu'une poudrée, c'est une fille qui faisait de la poudre. Et donc, c'est pas associé à la cocaïne. Ben, dans les faits, être party. Exact. Quand c'est la poudre. Fait que t'étais pas si proche. Je voyais ça comme une fille si loin de la vérité. Folle, mettons. Ouais, et ça aussi. Exact, mais j'avais pas catché que c'était de la cocaïne. Mais bref, fait que là, ça sent la merde chez vous, mais ce qu'on parlait, c'était les bains à base. Oui, oui. Décris-moi qu'est-ce que ça a l'air à un bain, mettons. First, donnez-vous comme une journée sur deux, puis c'est toute la gang d'un coup. Comment ça marche? En fait, ouais, ben on essaye de les pairer en team de deux, parce qu'à trois, ça s'excite trop. Ouais. Puis j'en ai quatre.
Ouais. Fait que le bébé, on le lave à part ou on le lave avec un membre du personnel, on va appeler ça de même. Mais sinon, c'est en team de deux. Puis nous autres, là, tu vois, la stratégie, bain revient à peu près là, aux deux ou trois jours. Ça peut arriver que ça dépasse quand on est débordé. Puis l'été, paradoxalement, c'est le moment où on devrait les laver le plus, puis c'est là qu'on le fait le moins parce qu'il y a trop d'activités à faire. Puis, oui, ils vont aussi dans la piscine, là. Puis, mais tu sais, c'est pas dans la piscine que tu te laves l'arrêt. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. En fait, je souhaite qu'ils se lavent pas l'arrêt dans la piscine. Puis, exactement. Okay. Fait que tu le fais deux. Fait que c'est jours. Ça. Puis, mais là, tu vois, avec l'école, puis là, on est un petit peu plus assidu aux deux jours. Puis, c'est parce qu'on en a un qui est un petit peu plus hyperactif. Puis, lui, vraiment, ça lui donne une trêve. Tu sais, ça crée un moment où est-ce que. Il se concentre sur ses sensations. Il chiale tout le temps, mais une fois dans le bain, il fait ses petites affaires, il est tout seul, fait qu'il est pas dans « Hey, je t'amène dans mon excitation, regarde comment la Hot Wheels, elle va faire un jump! » Puis là, il attire dans la TV. C'est le troisième, ça. Ça, c'est le deuxième. Ah ouais? Ah non, mais Lolo, il est super calme pour elle. Okay. Il est sweet à Lorraine nous a fait rusher De zéro à deux ans et demi. Okay. Puis après ça, il est devenu sweet, comme il s'est transformé. Non, il est devenu grand frère, puis là, oui. Ben, c'est ça. Maudite oui. chance, parce que sinon... Ah non, il est super calme. Non, okay. C'est numéro 2 qui est... C'est un cheval sauvage, je te le dis. Là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que le bain, tu sais, ça a un effet un peu apaisant aussi. Puis tu sais, il aime les douches aussi. Là. Fait qu'on les swing des fois deux dans la douche, deux dans le bain. On essaie qu'ils se lavent en simultané. Donnes-tu des faux choix, toi? Ils veulent-tu y aller dans le bain ou à chaque fois c'est une bataille? Moi, c'est tout le temps. Nous aussi, c'est les tours de jour, puis c'est tout le temps. Oh, pas de suite. Puis il faut mettre des deadlines. Puis nous, en fait. Ils sont manipulateurs, les petits Chris. Oups, je l'ai dit ça, je me suis trompé dans mes volumes. Mais on est rendu à l'étape où, pour vrai, moi, c'est ma grande là, qui est méga sweet. Pour vrai, là, elle prend sa douche en 3 minutes. Tu sais, elle prend sa douche comme moi, je prends ma douche. Là. Okay. Elle part la douche. Elle fait toute seule. Ouais, mais tu elle peux monte... du bat aussi? Ouais, je peux peut-être du bat, mais il est loin. J'étais à bonne distance de mon bat, fait que je me sens pas. C'est ça. Non, je ne peux pas du bat. Non, attends, mais... non, mais ça m'amène à un autre point. Est-ce que tu te laves avec tes enfants? C'est un des bouts de sujet que je voulais faire. Garde-le okay, en parenthèse. On deux garde, secondes. Okay. On va faire comme Ricardo, on va réserver. Oui, on va le mettre dans le four à côté, là, qui est sur notre îlot. Voilà. Mais ma grande, maintenant, donc particulièrement, tu sais, ce soir, tu t'en es pas rendu compte, mais j'étais tout seul toute la soirée. Caro est arrivé 5 minutes avant toi, puis j'ai donné les bains. Oui, t'es un Jedi, là, il était tout prêt dans le lit à l'heure. Tout marchait bien. Là, c'est sûr que quand tu utilises la ceinture, ça va mieux. En fait, moi, je commence à sortir de la merde des bébés, tu sais, je suis pas spécial. Pour vrai, la grande, nous, ils ont des cheveux longs, c'est des filles, tu vas vivre ça un jour, mais elle s'attache les cheveux, elle met son petit chapeau là, de ma tante là, pour pas se mouiller les cheveux, elle s'en va dans la douche. Le petit bonnet que j'ai vu quand j'étais allé chier tout à l'heure. Exact, c'est pas vrai. Exactement ça. Caro avec moi, c'est ça les petits poils que j'ai vus sur le bord. Elle passe sa douche toute seule, elle prend sa serviette, tu sais, elle fait tout seule. Puis, elle est autonome là, là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment nice. C'est malade. Ouais. Puis, quand je suis chanceux, elle prend sa douche avec la grande. Sinon, avec la moyenne. Mais sinon, la moyenne prend son bain avec la petite. Fait que tantôt, là, ils étaient les trois dans la salle de bain à se laver en même temps. Puis, moi, je teste sur mon téléphone dans une autre pièce. C'est malade. Mais t'sais, tu supervises-tu parce que, honnêtement, nous autres, on a des standards de qualité. Tu sais, des fois, je me pose la question, je me dis. Bon, s'il y avait un inspecteur qui venait pour voir, est-ce que ça serait à la limite de la salubrité? Fait que des fois, je donne des consignes du genre, tu commences par la face, tu te laves les fesses, puis le pénis, pieds, puis après ça, tu sors. Fait que là, il me joue. Puis des fois, c'est de la négociation comme, OK, je me lave, mais je fais juste le pénis puis les fesses. Fait que c'est ça. OK, non, nous, il aime ça. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Nous, il aime ça se laver, mais... C'est ça, les parties que des fois ils peuvent faire un petit peu, ils essayent de bien le faire, mais c'est quand même pas si. J'ai pas de vulve, ok? Je sais pas comment ça se passe, s'auto-laver la vulve. J'imagine que ça ressemble un peu à se laver l'arrêt du cul. J'imagine, parce que je n'ai pas de ça, moi, une vulve. Mais bref, se laver la vulve, des fois, c'est un peu plus tough pour les plus petites. La grande, c'est plus un problème. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas... Des fois, il faut que je fasse un petit check-up. Mais le restant, moi, ils sont appliqués. Là. C'est pas pire. Je suis chanceux. Mais en fait, ça m'amène à la question. T'sais, moi, j'ai pas ça, des battes à laver. Mm-hmm. Y'a-tu fallu que tu leur décolles le bat pis tout? Oui. Okay. Mais tu sais, j'ai pas forcé ou tu sais, c'est juste l'idée, c'est fais le mouvement. Fais le mouvement, fait que tu sais, tire dessus pour laver le gland.
Puis, tu sais, j'essaye d'utiliser des mots, là, les vrais mots comme tirer sur ton prépuce, puis non, tirer sur ta petite peau. Mais on s'entend-tu? Fuck, man, le gars qui a nommé ce mot-là, le prépuce, c'est lettre, là. Je veux dire, t'aurais pu choisir quelque chose. Ça sonne comme un empereur romain. T'sais? Prépuce. Dis-le 10 fois de suite. Prépuce, prépuce, prépuce. Tu sais, c'est lisse. Tu trouves pas ça a l'air d'un empereur romain, tu sais? Julius Augustus César. Je trouve que ça a l'air d'un mot que si j'étais un bully, je l'utiliserais pour insulter ma proie, là. Tu sais, c'est prépuce. Voyons. Chris, ça finit en us. C'est hot. Tu sais, hot. Lus. Romulus. Non, je trouve que ça fait très latin, non? Prépuce. Ouais. Ah, ouais, partie du corps, en général, c'est un peu latin. Mais ouais, non, j'ai jamais eu à décaper. Un bat autre que le mien, puis tu sais, je me rappelle plus tant, là, dans mon enfance. Là. Mais c'est parce qu'il y a aussi des mentalités, tu sais, il y a des psychiatres. Qui, des psychiatres. Chris, les psychiatres. Savoir un psychiatre pour ton prépuce, man. Il y a sûrement des psychiatres de prépuce, mais. Pas. Mais non, mais il y a des médecins, des pédiatres, mais ils ont un petit peu trompé de spécialité. Pas en même affaire. Ils ne jouent pas en même place. Il y a des pédopsychiatres. L'un qui te joue dans la tête, l'autre te joue. Anyway. Mais il y en a qui disent, tu sais, il faut vraiment que tu travailles ça, puis tu fasses le mouvement, puis tu tires. Puis il y en a d'autres qui disent comme ça va se faire naturellement, tu sais. Puis moi, naturellement, je veux dire, je veux bien laisser aller à la nature, là, mais à un moment donné, il faut. Je pense que juste en faisant le mouvement naturel de, tu sais, le laver, c'est tu tires, tu frottes, tu rinces, là, ben, à un moment donné, il va prendre du terrain, là, ouais. Mais ouais, fait que j'ai. Ça se décape. Des fois, ça se décape plus vite que d'autres aussi. OK. Mais j'ai pas. Je maîtrise pas. Ouais. Je suis pas là-dedans. Puis, c'était quoi ta question tantôt, là, qu'on a mis en parenthèse, là, Ricardo? C'était. Parle dans le micro, sinon ça marche pas. Je me souviens pas, fait que m'a te raconté une anecdote. Anecdote de bain. Les premiers bains, évidemment, c'était numéro un dans le temps. On habitait à Notre-Dame-de-Lourdes. Ah oui, t'avais ton eau brune. Une petite maison mobile, puis on était une centaine de maisons qui avaient de l'eau brune. Puis, mais là, les auditeurs, genre. Je ne comprenais pas c'est quoi de l'eau brune. Je sais qu'est-ce que vous dites. Là, vous dites ah ouais, moi aussi j'ai de l'eau ferreuse. Chez nous, elle est un petit peu jaunâtre. Puis, tu sais. Non, tu comprends pas. Si, là. Moi, mon eau, là, c'était comme du coke dans ma toilette. Okay? Vous n'êtes pas avec. Il n'y a pas d'aspect visuel parce que c'est un podcast, mais en ce moment, je bois une stout impériale. L'eau de Julien, c'était ça. En fait, si tu te la versais dans un petit verre, ça faisait vraiment comme du thé glacé. Vraiment. Ouais, ouais. Mais dans la toilette ou dans le bain, tu ne te voyais pas le battre, mettons. En fait, ça avait l'air d'un résidu de flux dans ta toilette. Exactement. Tu sais, quand tu te vides liquide, là, ça avait l'air de... Tu sais, quand tu vomis de l'anus, ça là, souviens, hein? Exactement ça. Ça s'en souvient. Moi, des fois, je me disais, comme si je pisserais pas dedans, mais comme ce que je vais mettre va être plus propre que l'eau. C'est comme si tout le monde avait constamment chié dans ma toilette. Exactement. Puis... c'était vraiment désagréable. Okay, premièrement, je pouvais plus porter de blanc parce que sinon, ça devenait du jaune. Au lavage, ouais, ça te scrapait des vêtements. Puis, on l'avait fait analyser. Puis, aussitôt que... c'est qu'elle était tachante. T'sais, aussitôt qu'il y avait une petite goutte qui tombait sur le comptoir, mettons... c'est fini. Ben ça faisait un cerne autour de la goutte d'eau brune. Fait que ça tachait tout. Mais évidemment, ça partait. C'est pas ça, mais c'est chiant, man. C'est vraiment de la merde. Puis, on a essayé. Écoute, il y a du monde... des voisins, des fois, qui arrivaient, il y en avait un, il l'avait pas dit à sa blonde. Il avait acheté à la maison, il l'avait pas dit à sa blonde. Il s'est fait une fucking centrale au sel dans sa cave de service, OK? Pour pouvoir filtrer ça, man, ça coûtait 200$ de sel par mois, mais décolorer une eau, c'est encore plus dur que de l'adoucir. Il n'y a rien de plus dur que ça, de la décolorer, c'est presque impossible. Fait il dépensait du cash, mon gars, là, puis... elle revenait brune, man, pareil, c'était dégueulasse. Fait que, tu sais, puis il m'a dit, que je peux faire? Puis moi, ça faisait comme 5-6 ans, j'étais là. Accepter. Ton deuil. C'est ça que j'ai répondu. Puis bon, ils se sont séparés. Bon. Fait que, non, ça, je sais pas. C'est le premier couple brisé par l'eau. Par l'eau. C'est l'eau ou c'est moi, tu sais. Comme Moïse qui a séparé les eaux, là, c'est la vengeance de l'eau. Mais c'était vraiment, puis tu sais, le phénomène, parce que je sais, vous êtes curieux à la maison, tu sais, qu'est-ce qui pouvait provoquer ça, en fait, c'était des feuilles mortes. Préhistorique, tu sais, dans le fond, qui était dans la nappe phréatique. Fait que ça faisait comme du thé. C'était... je vivais dans une infusion de thé, de feuilles mortes. C'était comme du compost, en fait. Tu sais. Mettons, laisse tes. Tu sais, l'automne arrive, là. Laisse tes feuilles macérer dans un bassin d'eau, là, dans une grosse chaudière pendant plusieurs années.
Puis après ça, ben, sers-toi un bon verre d'eau. Ça va être cette couleur-là. Mais on l'avait fait analyser, elle était potable. Étonnamment, j'en ai déjà bu sur un lendemain de brosse quand j'avais oublié d'aller me chercher de l'eau. Il n'y en avait plus dans ma cruche. Puis j'étais comme, ah, oh, tabarnak! Il faut que je boive ça, sinon je vais mourir. Puis je l'ai bu, puis elle n'a pas de goût. C'est malade. Puis elle était tellement douce, là. Hey, j'étais en feu, mais elle était tellement douce, cette eau-là, que quand tu te savonnais, t'avais comme jamais fini de te rincer parce que c'était trop doux. Tu sais, c'était comme de la thalassothérapie. Là, c'était comme, malade. Ouais. Puis là, tu t'en allais où? Fait que là, t'as lavé Louis là-dedans, ton plus l'anecdote qui est pas si drôle que ça, mais c'est que mon gars, il a appris très jeune à se laver dans un bain comme ça, puis il se voyait pas le battre, évidemment, puis il se voyait pas les jambes. Ouais. Fait que quand on a déménagé, le bain allait très bien. Puis quand on a déménagé, j'ai donné un bain, je te jure, Matt, il faisait des crises. Parce qu'il c'était capotait. Comme, ah, c'est comme je me vois, puis là, la sensation de l'eau, j'aime pas ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis, parce qu'il était jeune, il avait encore, mettons, un peu en bas d'un... Il avait un an, mettons, quand la première il était peut-être un petit peu plus vieux que ça. Parce que c'était trop mais différent, lui, il avait ses repères habitué. Étaient complètement fuckés, puis là... Il comprenait pas que hey, c'est fucké, Honesty. J'ai vraiment vu la différence. C'était marqué, c'est sûr que c'est l'eau. J'ai pas d'autre hypothèse. J'ai retrouvé le sujet que tu as mis en parking tantôt. On ouvre le. Oui, oui, oui. C'est prends-tu ton bain ou ta douche avec tes enfants? Oui. Je suis pas sûr. Ben oui, bébé, j'ai pris des bains avec mes enfants, mais c'est surtout des douches que j'ai pris. Puis particulièrement, moi, j'ai des filles, tu sais, quand vient le temps de leur laver les cheveux. C'est comme pratique d'être avec eux. Je te vois venir. Puis, fait que tu sais, son, c'est correct, mais il y a quand même toujours un moment où je me rends compte, tu sais, c'est un classique, là, qu'ils sont à la hauteur de mon bat. Puis, c'est un peu moi. Tu sais, j'ai une douche avec comme deux pommeaux, là, un qui est téléphone, puis un qui est normal en haut. Fait que là, je mets la douche téléphone à leur hauteur de tête, puis moi, je m'arrose avec l'autre. Bref. Puis, c'est quand même un peu malaisant. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là, je l'ai fait. J'ai fait des dizaines de fois. Il n'y a pas de problème. Là. Mais n'empêche que systématiquement, à chaque fois, je vais ouais, t'es un peu. Moi, je me sentirais pas à l'aise. Et t'es un peu juste à la hauteur de mon bat. Si ça va les cheveux, qu'elle soit en face de toi, à hauteur de ton bat, avec toi qui prends toute la tignasse en disant laisse-toi faire. Il y a quelque chose. T'es vraiment pas sain là-dedans, là, honnêtement. Ferme les yeux. Mets la tête par en arrière, ferme les yeux. Mais c'est tout le temps ça quand tu laves les cheveux. Ferme les yeux. Laisse-toi faire. J'en ai plus pour longtemps. Une autre bonne blague de pédophile. Ça, c'est tellement bon, hein. Ah, Mike Horn nous aimerait, là. Ah, parce qu'il a clairement dit que c'était ses jokes préférés. Oui. Puis qu'à cette heure, il fallait qu'il dise qu'il détestait vraiment les pédophiles pour qu'après, il puisse glisser sa joke parce que sinon, il y avait comme trop de gens qui voulaient l'actionner. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un peu un malaise. T'sais, mais je le fais, puis c'est pas grave. Là, je veux dire, ça m'a pas mis de frein, ça m'a pas limité. Mais quand il commence à comprendre, quand il commence à t'observer, à avoir plus trop de souvenirs, on dirait, moi je suis moins à l'aise avec ça. J'ai besoin d'aller chercher mon intimité. Mais comme j'ai des gars, c'est weird. Hein? Ça devrait être la même affaire, mais comme j'ai des gars, tu sais, chambre d'hockey, tu sais, n'importe quoi, on est habitué entre gars qu'on se change. Fait puis on est fait pareil, fait on dirait que je suis plus, tu sais, ça me dérange moins. Puis je sais pas comment je vais réagir avec ma quatrième, si je vais plus, tu sais, fermer ma porte, m'assurer que personne rentre. Moi, je me promène encore à poil dans mes. Tu sais, je veux dire, je vais pas exprès pour me flasher à graines devant tout le monde, là. C'est pas ça l'idée, mais tu sais, mettons le matin, là. Moi, je prends ma douche le matin, ben quand je sors de la douche, je m'en vais m'habiller dans la chambre, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas de limitation. Non. C'est juste que la douche, ça amène. Tu sais, nous, c'est pas un bain-douche, là. C'est une douche séparée, là. C'est rien de fancy, là. J'ai pas une douche royal, là. J'ai le petit modèle classique, là, en PVC, machin. Je sais même pas si c'est du PVC, whatever. Bien magique, genre. Ouais, exact, là. Mais ça crée une proximité quand même, là, quand t'es deux là-dedans, là. C'est gros comme une cabine de téléphone. OK, bon, il n'y a plus personne qui a la référence de cabine de téléphone parce que ça existe depuis 2001, mais n'empêche, je veux dire. On a toute histoire longue, là, quand même. Superman se changeait là-dedans, mais c'est gros de même, une fucking douche. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es avec ton enfant. Tu sais, je veux dire, des fois, je me lave en même temps qu'eux, puis tu sais, elle se lave les cheveux, je suis à côté, puis là, je l'assiste. Plus ils grandissent, plus ils sont autonomes, fait que tranquillement, pas vite, ça, je délaisse ça, mais quand même, il y a une phase où je le fais quand je les introduis à la douche. Mais plus jeune un peu, tu sais, mettons avec ta dernière. Mais là, la dernière,
T'sais, elle a pris quelques fois sa douche. Elle est encore à l'âge où souvent, quand elle est dans la douche, elle est dans mes bras. Ou après ça, ouais. Je la mets par terre, puis là, je lave les cheveux ou des trucs comme ça. T'sais, il y a quand même une limite à ce que je peux faire avec un enfant dans les bras. Et bientôt, elle va être correcte pour être tout seul dans la douche. Elle a 3 ans, là, puis la semaine prochaine. Mais ça y a, à chaque fois, systématiquement, j'ai une réflexion que j'ai vraiment mon bat dans sa face. Puis. C'est correct, c'est, je veux dire, c'est pas... Ouais, non, ça, y a ça rien d'insistueux, en fait, c'est juste ça comme... Je passe au prochain appel, puis je continue, puis ça va. Mais il y a quand même ce moment-là qui arrive systématiquement, puis c'est that's it. Non, puis je pense que, tu sais, c'est une réflexion un peu saine, tu sais, c'est un peu normal, ouais. Si... Tu sais, il y a quand même... Tu sais, mettons, là, on rentre dans le détail. Là. Mais c'est aussi dans pas, le l'eau développement, coule dessus, puis tu sais, ben, ça se peut que tu aies un filet d'eau qui tombe du bout du bat, là, parce que l'eau, de la façon qu'elle ruisselle, ça fait ça. Puis là, ah, papa, tu fais pipi! Là, clairement, tu es en train d'examiner. Tu sais, je pense que c'est simple pour un enfant d'examiner le corps, de comment c'est composé. Fait que, OK, ça, c'est un pénis, ça, c'est des testicules. Je n'ai pas le goût là, de jaser de pénis et de testicules un samedi à 8 heures pendant que j'étais en douche avec toi. Là. Moi, je trouve que tant qu'ils sont un peu dans la candeur de l'enfance, pis ouais, ça me dérange pas. Quand, à un moment donné, ils rentrent un petit peu plus vraiment enfant, là, ben, ça fait un peu avec l'âge scolaire aussi. Là, personnellement, je suis moins à l'aise. Je t'ai-tu compté que moi, on dirait qu'ils se timent avec ma douche pour aller chier. Je trouve ça tellement désagréable parce que j'ai un écran de bain, moi. Fait qu'on me voit. Ouais. Tu sais, c'est pas un rideau. Ah, puis là, je me lave. C'est une porte en verre, c'est ça? Une porte en verre. Ouais. Puis là... Là, il arrive, mettons. Là, je le vois, il est pressé. Là, qu'est-ce que tu fais là, mon homme? Puis, oh, j'ai vraiment caca, là, papa. Là, il se met les clignotes, là, j'entends ça. Je suis comme, là, j'ai l'odeur. Je suis comme, oh, come on, tu sais. C'était mon là, 5 minutes part. De solitude. Ouais, tranquille. Exactement. Mon... Là, 3 minutes plus tard, un autre qui arrive par-dessus là. Oh, j'ai vraiment caca. Voyons, si vous t'aimez. Puis là, ils me laissent tous les vestiges de leurs effluves. Maudit, pourquoi j'ai une grosse famille? Des fois, je me dis, on n'est même plus capable de se laver en paix. Je veux dire, c'est la seule place où je pouvais me crosser. Non, c'est pas vrai. Ça, tu vas le couper au montage. Ah, mais non. Trop tard. Trop tard. Mais c'est ça, c'est dur, l'intimité aussi. Dans nos bains. T'sais, c'est drôle, on parlait du bain. Nos bains, nos douches. Moi, personnellement, je me fais déranger constamment. Si c'est pas pour aller aux toilettes, si c'est pour t'as-tu vu telle affaire. Ouais, oui, oui, je parle quand t'es dans le bain, tu sais. Quand t'es dans la douche, t'es en train de te laver les cheveux, t'as du savon partout. Puis là, papa, 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 regarde, regarde. Puis là, mais là, attends un peu, là, je vais juste finir de me rincer la tête. Puis là, il t'ouvre la porte, tu sais, pour vrai, s'il y a quelque chose qui est pas cool d'ouvrir quand t'es dans la douche, c'est que t'as gardé ta chaleur. Ben oui, ben oui. T'es comme heureux là, avec ta chaleur. C'est bon, c'est chaud, c'est humide, c'est moelleux. Puis moi, je réfléchis, moi, je règle des affaires dans la douche. Je réfléchis, je tombe dans ma tête. Dans ta journée, puis qu'est-ce oui, que tu vas honnêtement, faire? Je suis très créatif dans ma douche. Fait que là, tu me fuck, là, tu sais, mais c'est ça, c'est l'envahissement, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu de la merde. Toi, les cheveux, tu les laves-tu systématiquement? Comment non, tu fais non, ça? Non. Nous, on lave à peu près aux semaines. Aux semaines, nous aussi. Ah, cheveux. Mais toi, t'as pas beaucoup de filles. Parce que c'est de la job en sacrément. Je pense que plus t'as les cheveux longs, moins que c'est sale, non? Quoi qu'à leur âge, ça traîne dans le spaghetti. Ouais, ça arrive souvent que c'est ça, où se mange une toast, puis là, ben, ils ont les cheveux dans confiture ou n'importe quoi. Là. Particulièrement, numéro 2, là, nous, elle a 6 ans la semaine prochaine. Moi, quand pis, j'ai l'impression qu'il s'est peigné avec du dipitidou. Dipitidou. Je lave les cheveux. Ouais. Non, mais on capote pas avec le lavage, ni le lavage du corps, ni le lavage des cheveux. Je trouve que c'est bizarre. Là. C'est parce que je sais pas pourquoi, en fait, on est comme stédé une fois par jour, il faut se laver. C'est un espèce de référent qui part de où? C'est pourquoi? Ben moi, j'aime bien personnellement me laver une fois par jour. Là. Je sens que j'ai ma poussière puis la sueur de la veille. Oui, mais on même... est des adultes. Là. Ouais. C'est différent. Mais tu sais, des enfants, enfant. Honnêtement, tu peux débarbouiller à la face, t'as fait ta job. Je pense... Ben nous, on lave systématiquement. Tu sais, soit qu'ils prennent leur bain, sinon on lave les parties génitales tous les jours. Là. Soit nous, ça fait partie de la mais routine de dodo. Mais en même temps, une vulve, c'est ouvert. Tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose... Ben, j'imagine que si tu décapais le cap, probablement que tu trouves un petit résidu de... Un petit peu de fromage. De trucs que tu as le goût de ramasser. Là. Tu, peut-être. Mais trouves-tu que c'est peut-être moins propice à...
Ben, je sais pas, moi, c'est sûr que je me lave le bat pas mal tous les jours. Fait que, je voulais aller. Je suis juste aidé sur le lavage de bat. Je me dis, une fois par jour, éloigne le docteur pour toujours. Moi, c'est ça qu'on m'a toujours dit, lave-toi le bat, man, ça va bien aller. Mais tu sais, il n'y a pas d'odeur, mettons, tu sais, je sais pas. Ouais, ben, t'sais, moi, c'est en même temps que le bain. Fait que si c'était aux deux jours, ouais, je vais pas passer une serviette, là, tu sais, systématiquement, soit c'est une journée de bain, soit ça en est pas une. Puis quand c'est pas une journée de bain, ben avant de te mettre. C'est la débarbe. Tu te déshabilles. Là, sont, les deux grandes sont assez grandes, le bébé n'est pas encore, là, mais je te prends des barbouillettes, les bonnes vieilles des barbouillettes à cul, tu sais, qu'on utilisait on avait des couches lavables, puis etc. Bon, on réutilise les mêmes des barbouillettes. Je mets, il y a une espèce de petit savon, là, que s'il en elles ont été lavées préalablement. Oui, oui, tout le temps. Fait qu'ils se lavent la vulve, l'anus, puis là, ils mettent leur pyjama. Là, ben, OK, ben c'est bien. Comme systématique. Là. Je devrais peut-être faire ça, ils me disent tout ça pique. Ouais, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que quand tu te couches le cul qui pique, tu te lèves le doigt qui pue. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai appris, puis je veux que leur doigt sente bon. Mieux d'être... Hey, parlant de ça, pourrait faire l'objet d'un autre thème, mais ça me fait... C'est juste que j'ai eu un flash sur des oxyures. As-tu déjà eu ça, les oxyures? Oxyures, c'est quoi une oxyure? On pourrait parler à un moment donné des poux et des oxyures. C'est, ben, poux, ça va, je maîtrise. Les oxyures, c'est dégueulasse. C'est des vers. C'est parce qu'on parlait de cul, mais c'est des petits vers. Ah, shit. C'est quoi le procédé? Il faut que tu fermes la lumière, je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment inoffensif, là, fait que capotez pas, mais c'est juste psychologiquement mal de cœur, torturant. Tranquille. Quand t'as des oxyures, man. Premièrement, c'est la gale, parce que les œufs des oxyures, ça se retrouve en dessous des ongles, ils se retrouvent sur les jouets, partout, ils vivent d'un drap, aussi, des journées entières. C'est vraiment dur à se défaire. J'ai mal au cœur. Et déjà, mais écoute bien la shot. C'est que la maman ou les mamans, ça dépend, oxyures, ils sortent du qui cul la nuit sortent autour du ring pour pondre leurs œufs. Puis les œufs, après ça, ils rentrent dans le colon. Puis, fait que c'est là qu'il faut que tu ailles à la flashlight si tu doutes. Parce que, tu sais, ils vont dire j'ai des démangeaisons, ça me pique, ils vont se réveiller en pleurant. Ouais. Ils vont, parce que ça pique quand ils sortent, sinon tu sens pas. Puis c'est comme vraiment des petites vermicelles. Puis là, il faut que tu t'exfolies. Faut que tu ouvres l'anus pendant qu'il dorme, genre à la flashlight avec ton iPhone, à essayer de voir si t'en vois bouger. Puis sinon, il faut que tu pognes un petit. Écoute ça, c'est pas bien. Sinon, il faut que tu pognes un petit papier collant. Un petit papier collant, tu y colles ça sur l'anus, puis tu le tires, puis là, tu vois s'il y a des œufs ou des trucs comme ça. Il faut que tu amènes ça, tu le plies, là, comme puis là, tu amènes ça au labo ou quoi que ce soit. Puis après ça, ben, t'as des trucs à ingérer là, pour des produits. Ça, c'est si ton enfant fait le traîneau sur le cul, sur ton tapis chag, dans le fond du sol, s'il se frotte l'anus. Non, mais c'est épouvantable. Je me demande souvent qu'est-ce que je voudrais entre des poux, puis ça. Ben, moi, c'est sûr qu'aller bidouiller dans l'anus de mes filles à 2h du matin avec une flashlight, ça me tente moyen mais en c'est surtout que tu vois, tu peux pogner. Tu sais, tout le monde aurait des verres. Comme des. Moi, dans mon temps, c'était le chat qui avait ça. Des c'était dans pas le cul. Nous autres, oui. Puis ça, puis tu sais, le petit enfant TDAH, dans le temps, on disait, lui, il a des verres dans le cul. Tu sais, parce qu'il bouge tout le temps, puis il grouille. Là. Ça, dans le temps que ça n'existait pas, le TDAH. Là. On disait le juste... diagnostic, c'était verres dans le cul. Exact, ça s'appelait des VDC. Là. Lui, il est VDC. Maintenant, ça a évolué, c'est TDAH, mais dans le temps, c'était VDC pour verre dans le cul. Mais non, fuck, man. Là, tu checkeras ça, ça s'appelle des oxyures, c'est vraiment charmant. C'est dégueulasse. Je suis pas prêt avec ça. Tu sais, quand tu t'en vas dans la littérature, c'est comme la majorité va en avoir là, un courant de leur vie, mais t'as rendu compte, ça rentre dans ma famille et dans la tienne, là, je veux dire, vous êtes cinq. Là. Ça fait beaucoup de verre. Faut que tout le monde se traite, tu sais, puis... C'est pas le verre solitaire, on s'entend. Là. Il y en a pas, plusieurs. Mais c'est dégueulasse. Bref, fait que, puis même si tu prends un bain, ça tu vas en avoir quand même. Tu vois comment j'ai fait un lien avec le thème? Ouais, c'est malade. Fait que faut que tout ça pour parler de se gratter le cul. Mais où j'allais dans laver les cheveux, c'est que, tu sais, le fameux remords qui se ramasse dans le drain. Ouais. Moi, il y a beaucoup de filles dans ma famille. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de filles. Fait que fréquemment, je prends ma douche. Puis je sens l'eau monter. Puis là, un moment donné, je me rends compte que l'eau est rendue, tu sais, à la hauteur de mon gros orteil. Je me dis, il y a un problème d'évacuation ça, de l'eau. C'est un job pour Mathieu, pas Caro. Je sais pas où dans le processus de séparation des tâches, là, avec la charge mentale et tout, il y a quelqu'un qui a dit,
toi, t'as de l'air du gars que tu vas te mettre les mains dans la merde parce que, attention, il y a deux vis à dévisser pour enlever le petit ring. On s'entend que c'est pas une tâche très complexe, mais tu pourrais, en fait, fermer la gueule aux gens qui font comme « Ouais, mais nous autres, la charge mentale, on en fait plus. »« Ouais, mais moi, j'ai la tâche du remords. »« OK, on va te lâcher. » Exact. Fait que tu sais, t'enlèves, c'est ça, t'enlèves le petit truc de métal, le grillage, puis là, tu sors ça, mais... Mais pour vrai, chez nous, c'est comme aux 3 mois. Là. Ah, pour vrai. Ah, mais man, ils ont toutes les crises de cheveux longs, toute la gang. Il y a 4 femmes dans la maison. Là. Fait qu'ils se lavent les cheveux, puis ça pogne, puis Au 4 mois, je sens l'eau monter dans la douche, je fais fuck. Oui, c'est dégueulasse. Des fois, c'est pas si pire, c'est un petit peu, mais il y a des fois où est-ce que tu dis. Moi, je me prends, mettons, un support là, en métal, puis je le torque. Puis là, après ça, je tourne un peu comme si tu mangeais une fondue au fromage. Là, tu sors ça, mais des fois, ça tire un peu. Là, en même temps, c'est un feeling. C'est comme s'arracher de la peau quand t'as pogné un coup de soleil. Là, tu dis, j'en ai une bonne. Mais là, quand t'attires, puis qu'elle sort, puis t'as l'impression que tu sors la petite fille du cercle, ça pue, man, ça schlingue. Mais ce support-là, vu que je le fais souvent chez nous, Il a sa place. Il est dans mon garde-robe de chambre, je te jure. Si aujourd'hui on monte, là, on s'en va dans ma chambre. J'ai un endroit qui ne touche pas à aucun linge, rien, parce que je le lave quand même après. Mais c'est ce support-là, pour ne pas avoir besoin de me le refaire à toutes les fois, c'est comme un outil standardisé qui est là. Il est à portée de main quand je suis dans la douche, puis je peux le faire fréquemment parce que, pour vrai, une fois par 3-4 mois, je sens l'eau monter, je fais « Ah, si l'eau coule plus comme du monde, fuck! » Moi, ma blonde, elle fait attention à ça. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle les colle sur le mur. Oh. Mais à un moment donné, tabarnak, mon kid avait pris des crayons faits pour ça à colorier dans le bain. Puis c'était rouge. Puis il avait vraiment fait plein de barbeaux. Puis elle les avait toutes collées sur le mur. Man, l'image de ça, là... C'est comme si j'avais fracassé la gueule d'une femme puis que je l'avais assassinée. T'as encore rouge, comme puis tout le rouge sang avec les cheveux qui sont restés collés. Tu sais, j'étais comme, c'est dégueulasse. Mais j'haïs ça parce que des fois, elle les oublie. Oui. Fait que là, toi, tu rentres là-dedans. Pas t'es comme, t'as assassiné quelqu'un dans ma douche puis je le sais pas. Tout le temps, ils les oublient. Ils oublient tout le temps. Tout le temps. Toi qu'il faut qu'ils fassent. Là. Puis là, tu ramasses ça, puis là, tu sacs ça dans la poubelle à côté. Après ça, tu t'enferges dans son fer, puis là, qui traîne, puis là. Ouais. Ah non, mais c'est... Enlever le remords, là, moi, ça me fait capoter. Non, c'est une des pires tâches existantes. Mais t'as introduit un nouveau bout de sujet que je pensais pas qu'on allait aborder, mais le cave qui ont inventé les crayons à bain. Ouais. On s'entend, là, c'est des hosties de crayons de cire. Ouais, dans le fond, c'est juste qu'il y a écrit bathroom dessus. Exact, là, mais c'est des crayons de cire. Puis là, sur papier, ça a l'air intéressant. Ouh, mon enfant va pouvoir dessiner dans le bain, ça va être magnifique. Puis là, on va écrire des lettres, puis on va écrire papa, maman, crayon de cire dans le bain, puis ça va être idyllique et magnifique. Pendant que tu le fais, c'est bien. Mais après, quand vient le temps de le laver, cette hostie de patente-là de merde, oui, tu peux passer une débarbouillette, mais ça efface juste comme 40% si à peu près de la patente. Si t'as un kid, tu sais, c'est un genre de tour de bain en céramique, puis t'as un kid qui est un petit peu rigide, puis qui décide de rentrer dans tous les traits, puis de les faire, là, t'es dans la merde solide. Là, t'es fait pour passer comme 2 heures à brosse à dents, à faire tes joints de céramique. Ouais, mais c'était éducatif. mais pour vrai, nous, à chacun des enfants, on en a eu, puis tous nos enfants trippent là-dessus. Puis même encore, ma grande, des fois, me demande « On pourrait-tu avoir les crayons pour dessiner dans la douche? » Je dis « Ah non, c'est pas possible. » Parce que pour vrai, à nettoyer, c'est de l'estime. Ouais, on n'a pas trop utilisé ça. Tu sais, pour vrai, là, prends ta douche, fais ça vite, descends, m'a donné crayon feu, tu vas dessiner sur une feuille, ça va bien aller. Là. C'est quoi l'intérêt? Mais c'est quoi d'abord ton ranking? Les meilleurs jouets de bain, mettons, puis que tu recommandes? Nous, ce qui pogne, c'est super niaiseux. C'est des petits bonhommes qui servent à autre chose, là, des princesses ou des gugus comme ça. Puis là, le critère, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de cheveux. Parce que s'ils ont des cheveux et t'es mis dans l'eau, c'est de la merde. Ou des vêtements, là, genre un petit bonhomme qui est un peu en tissu. Là. Mais sinon, là, juste une
princesse Polly Pocket, je sais pas quoi. Ils en mettent 50 000. En fait, j'ai encore mes bonhommes de passe-partout. Tu sais, il y avait les petits bonhommes, à peu près gros comme un schtroumpf de passe-partout dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, je les ai encore. Okay. Là, mes filles jouent avec ça dans le bain, mais ça, c'est parfait pour le bain. Là. Faut pas que ça magane aussi, tu sais. Faut... Ben, ça s'use pas. Ouais, là, non, c'est ça. C'est un plastique un peu mou. Au caoutchouc. Caoutchouc dur, mais quand même un peu mou. En tout cas, peu importe. Non, c'est ça. Nous autres, on permet... C'est vraiment comme un schtroumpf. Mais tu sais, c'est sûr, il faut pas qu'il y ait de batterie. Là. Des fois, ils veulent amener le truc téléguidé dans le bain. C'est comme, pas sûr, le gros. Mais, puis tout, qu'est-ce qui fait une rétention d'eau? Oui. Tu sais qu'après, il a jamais fini de se vider. Mm. Puis là, il l'amène ailleurs. Puis là, il a dit, voyons, ont une fuite au plafond? C'est ce qui se passe? Puis là, tu trouves de l'eau partout. Tous les trucs en caoutchouc mou que tu peux appuyer dessus, puis là, l'eau rentre dedans, puis tu t'en sers comme un peu comme fusil. Là, tu sais, ouais. Ben ça, systématiquement, il reste de l'eau dedans. Ouais, puis ça devient dégueulasse. Ça devient franchement dégueulasse. Moi, pour les petits bonhommes là, dans le bain, c'est pas mal. Mais ils connaissent les critères. C'est comme, amène pas ton patrouilleur dans l'eau. Là, t'as-tu le patrouilleur chez pendant vous? Pendant 2 semaines. Non, je l'ai donné à Jouchetek. T'avais le patrouilleur? J'avais l'avion. C'était cool, il était cool. Tu pouvais mettre tous les petits stèles là dedans, puis tout. Ça, c'est quand même hot. Ouais. Tu l'as pu. Mais non, ouais, jouer de bain. Nous, il y a systématiquement une espèce de chaudière en dessous. Tantôt, là, quand tu iras chier, tu ouvriras en dessous de mon comptoir, il y a une chaudière avec plein de... C'est beaucoup des bonhommes. Ouais, ça finit toujours gluant, c'est un peu dégueulasse. Alors, il faut entretenir ça. Ouais. Hey, je t'amène ailleurs, mais tu sais, plus tard, là, salle de bain, t'en as une. Ouais, j'ai une salle de bain. T'as trois filles dans la maison. Ouais, comment tu vas faire? Je vais me faire une autre salle de bain. OK. C'est pas mal ça qui est ça. Moi, mon plan. T'as là, le taux de tuer un sujet, toi? Ouais. Non, ça va être impossible pour vrai, là, quand ils vont tout. Pour vrai, mais là, juste la tank à eau, là. Ça va nous prendre 2 tanks à eau chaude ou en tout cas une plus grosse, là. C'est complètement débile, là. Mais moi, mon plan, là, je sais pas si je l'ai déjà dit en nombre, mais c'est pas grave, c'est. On va décrire rapidement ma maison. Moi, j'ai une maison de ville. Fait que c'est 2 maisons collées, là, semi-détachées, avec garage, un rez-de-chaussée, un étage où il y a les chambres. Moi, mon plan, c'est... j'ai un sol aussi où il y a le garage, mais mon sol est tout petit. C'est de faire en sorte que... Tu sais, où ma porte de garage finit, dans le fond, le rail, mettre un mur au bout de ça. Fait que ça ferait que mon garage serait plus assez grand pour rentrer une voiture, mais serait parfait pour rentrer des vélos et des affaires comme ça. Tu dois transformer ta porte de garage en mur. Je peux pas enlever ma porte de garage parce qu'il faut que, d'un point de vue urbanisme, toutes les maisons soient pareilles parce que je suis dans Desperate Housewife, moi. Mais là, de l'extérieur, ça aurait de l'air pareil, mais j'aurais plus un garage full. J'aurais comme un 3/4 de garage, mettons. Fait que là, mes outils, mes vélos, puis tes nombreux outils. Ouais. Tu sais, le fond, dans ton établi, t'as ton support pour enlever les cheveux dans le bain, là, tu sais. J'ai un tournevis universel et une drill. Mais non, ça, j'ai pas de nombreux outils. Fait que, bref, je ferais comme un 3/4 de garage, puis le restant, je l'ouvrirais. Puis là, je ferais une salle de bain pour. Une salle de bain de nous, la chambre, une chambre. Une salle de bain privée. Ouais. Puis, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée, une salle de bain privée. Mais t'accepterais-tu que tes filles. Non, mais l'affaire, c'est que ma blonde puis moi, notre chambre serait en bas. Puis les filles auraient l'étage, auraient chacun leur chambre à l'étage, leur salle de bain eux autres, leur gogos, ils s'arrangent comme ils veulent. Ouais, mais c'est-tu réaliste parce que dans les faits, ta salle de bain va toujours être envahie, là? Ma salle de bain, moi. Ben oui, parce que tu sais, le matin, il faut qu'ils se préparent. Mettons, ils sont prêts à dos, ils travaillent. Ils sont tous cordés sur le même corps de travail, puis il faut qu'ils se lavent les cheveux en même temps. Là, mais non, ils ont leur salle de bain en haut, ils s'arrangent. Eh, man, ils ont une salle de bain pour 3, là, tu vas pas me faire chier, là. Ben... Moi, ça me semble suffisant. Moi, ben non, mais je pense que c'est très faisable. Que c'est juste que. Calisse patience en bas. Ouais, ok. Ben écoute, on verra, on n'est pas rendu là. Puis là, je m'installerai un petit donjon sexuel avec un sling. Ah, des poignées partout. Ah, il serait malade. Ouais. Malade. Ma blonde ne sait pas encore, mais je suis en train de concevoir ça. Tu m'en revais avec comme 12 poignées. Pourquoi ça? Tu veux-tu. As-tu besoin d'un. T'as fait une évaluation en ergothérapie, est-ce qui c'est qui a besoin de se pendre demain? Oh, c'est le côté gériatrique, là, quand on va. Tu sais, si c'est pas plus tard. Si je me casse la hanche, là, je vais être capable de m'asseoir comme ça. En attendant, ben, peut-être qu'on peut y trouver une autre utilité. On verra. On sera créatif. Mais bref, ouais, moi, c'est clair que ça va me prendre une autre salle de bain. Là. C'est impossible à 5 personnes dont. Ouais, ça va être tough. Je veux pas être sexiste, là. C'est pas ça l'idée du tout. Mais n'empêche qu'avec 4 filles, c'est quand même des douches qui sont plus longues. Là. Laver les cheveux, c'est plus. Ben, c'est avec surtout, des cheveux longs, c'est plus tough à laver. Surtout quand les cheveux doivent être lavés, là. Ça...
Sinon, c'est pas plus long. C'est pas plus long. Mais tu sais, les cheveux à laver, ben. Mais c'est aussi, tu sais, que la notion d'intimité va embarquer. Tu sais, nous autres, là, on les corde toutes, on les lave par paire de deux, des fois trois. Tu sais, c'est pas grave, mais à un moment donné, c'est parce que c'est une personne à la fois qui fait sa routine, puis ça peut créer des conflits solides, là. T'sais. Mais nous, la grande a commencé un peu dans ça, là, l'intimité, tu sais, à l'éducation physique, elle porte une camisole en dessous de son t-shirt les journées où elle a de l'éducation physique parce qu'elle veut pas être nue maintenant. Ben, nue, on s'entend, là, en bédaine devant les autres filles de la classe, quoi, whatever. Mm-hmm. Fait qu'elle a commencé un peu à avoir besoin de son intimité. Mais elle prend sa douche hyper rapidement, tu sais, c'est ça. J'avais les deux plus petites dans le bain tantôt, puis elle est rentrée. Pour vrai, j'ai cligné des yeux, sa douche était finie, là, tu sais. Elle est venue, elle a parti la douche, elle s'est déshabillée, rentrée dans la douche, elle est sortie, elle a pris sa serviette, elle est partie. Ça a duré 5 minutes, top chrono max. Mais tu sais, en fait, c'est le temps que devrait durer une douche, là, pour vrai. Ouais, ça dépend, moi j'ai trois gars, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'une barre de savon, c'est doux. Peut-être que ça va être un petit peu plus long. Peut-être. Mais on n'est pas rendu là encore. Puis là, le rock, tu vas sortir du drain, là, il y aura une autre texture. T'avais pas vu venir, ça. Ah, ben t'avais ouais. pas vu venir. Mais ouais. Il est... Hey, on se fait un bout qu'on parle du bain. On rappe le bain. Je pense pas à la fin synthèse, du bain. Synthèse, mon. Chris, mon là, c'est rough faire une synthèse. Mais en fait, moi, ce que je trouve du bain, c'est que autant c'est vu, et en fait, c'est pas vraiment une synthèse parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais tu sais, c'est vu comme un moment un peu chiant parce que c'est souvent dans la routine de dodo, puis là, il faut le faire, puis c'est une tâche, tu sais. Mais les moments où ça va bien dans le bain, c'est cool, tu sais. Comme, mettons, ce soir, moi, ils prenaient leur bain, les deux petits jouaient ensemble. Il y avait du fun. La grande a pris son bain rapidement, elle est sortie. Ça lui a donné un moment où ses petites sœurs étaient dans le bain, donc pas en train de la gosser, elle pouvait lire, elle pouvait faire ses numéro trucs. Numéro 3 peut rester. Si on ne l'arrête pas, il peut faire 2 heures dans le bain. L'eau est froide. Ils sortent, ils sont tout ratatinés, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Ils vont « Regarde ma main, papa! » Fait que tu sais, autant c'est une tâche supplémentaire, les journées de bain, mais autant ça vient comme calmer puis ralentir le jeu, je trouve. Ça fait que ils sont confinés dans un petit espace. Ils jouent des fois ensemble quand ils sont deux dans le bain. Des fois, je les surprends méditatifs. T'sais, ils sont en dessous de l'eau. Ils cachent leurs oreilles, puis là, ils bougent Là, ils écoutent. Puis là, ils écoutent le clou. Oui, exact. Non, c'est ça. Non, ça a un effet calmant. Fait que nous, souvent, moi, souvent, de prime abord, je vois ça comme une tâche. Tu sais, comme ce soir, je savais que tu t'en venais, je savais que Caro serait pas là, je savais que fallait que je donne les bains. Fuck, c'est une tâche de plus. Fait que c'était comme quelque chose de plus à faire, mais au final, ben, c'était cool. Tu sais, ils étaient dans le bain, ils ont fait leurs choses. À la limite, tu sais, j'ai plus tant besoin de les surveiller. Là. Je mets pas beaucoup d'eau, puis ils étaient deux dedans. Là. Fait que là, les chances qu'ils se noient, c'est pas tant. Puis je reste sur l'étage à proximité. Puis pour vrai, des fois, je suis un peu paranoïaque. Là, genre, oh, 30 secondes, ça va. Puis là, j'exige que les deux disent oui. Là. Ça va. Là, il y en a juste une qui dit oui. Je veux que tout le monde dise oui. Là, oui. OK, cool. Des fois, ils me répondent pas. Non, quand vous êtes dans le bain, vous me répondez. Puis sinon, je m'assois à sa toilette, là, le classique. Là, ils sont à côté, puis ils gossent, puis voilà. Mais, fait que, autant c'est une tâche, autant c'est cool comme le bain. Ouais. C'est un peu comme une mini-piscine, mettons. C'est ça. Ouais. Dominique Arpin, lui, il s'était rendu compte, puis ben, je finirai là-dessus. Mais tout le temps, il allait avec Dominique Arpin. Dominique Arpin, il s'était rendu compte qu'il avait Dominique une Arpin. Dépendance au téléphone. Quand il passait le moment de bain avec ses enfants, parce que pendant qu'il jouait dans le bain, lui, il scrollait. Ouais, il passait au travail de son feed Facebook, mettons. Puis tu sais, dans les fêtes, ça peut vraiment être un moment cool aussi pour juste... Moi, chanter, souvent, j'ai le vendredi soir, son dans le bain, j'amène ma coupe de vin. Ouais. Ma blonde se rapproche un peu ou elle fait d'autres trucs, puis on jase, puis le kid est dans le bain, puis... Ouais. Tu sais, je suis là, puis je trouve qu'il y a moyen de rendre ça quand même le fun. Ouais, c'est pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Hey, c'est une belle conclusion, ça, Julien. Bravo. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est la fin. Bon, ben. On a fait quand même 45 minutes sur le bain, tu sais. Fait un jeu de mots. Je pense que c'est assez, là. Ouais. N'as-tu? Ben, je pense qu'il voudrait peut-être qu'on arrête. Ciao, bonne semaine.